la solución. Les autres, pour ceux qui n'ont pas pu, qui lèvent la main. Le dernier exercice, pour ceux qui me l'ont envoyé, donc merci bien, mais il y a beaucoup de monde qui n'a pas envoyé, tant pis pour eux. Je ne peux rien faire pour eux. Donc, la plupart, c'est bon, mais j'ai juste quelques remarques. Attention, quand vous écrivez l'intégrale, ce n'est pas l'intégrale qui est impair ou pair, c'est la fonction qui est pair ou impair pour dire que c'est égal à 0 ou pas. C'est la fonction. Donc moi j'ai tendance à, parce que là c'est des rédactions pour nous, donc c'était pas vraiment pour, c'est pour cela tout le temps je dis, il y a des choses que je dis à l'oral qui sont pas écrites sur la rédaction, donc attention. C'est la fonction qui est pair impair, c'est pas l'intégrale qui est pair impair pour dire que c'est égal à 0. Ça c'est de 1. De 2, je sais plus c'était quoi. Si je me trompe pas, c'était Z2 plus 1, le dénominateur. Tu as terminé, Malia? Allez-y. Quelles sont les racines de Z2 plus 1? Plus ou moins. Oui, tout de suite. C'est pas la peine d'aller faire le système. D'accord? Ça, c'est une remarque. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Et attention, s'il vous plaît, il faut vraiment. Donc, pour le choix du oméga, c'était bien, mais attention, il faut bien écrire toutes les hypothèses, bien rédiger. Et il y a quelques-uns qui. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais attention, il faut éviter d'écrire en rouge, OK, sur les copies. Et surtout, il faut que votre rédaction soit claire et nette. Donc, je comprends peut-être, c'était un devoir à rendre, donc peut-être vous n'avez pas très bien rédigé. Il faut espacer les choses parce que le prof, il n'est pas censé faire un déchiffrage de votre écriture. Il faut que ça soit clair et net pour que, quelle que soit la personne qui corrige votre copie,